N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Madame, attendez, attendez, s'il vous plaît, mettez-vous un peu là-bas. Ouais. Il y a quoi? Bonjour, monsieur. Bonjour. J'ai la toux, monsieur. J'ai la toux. Oui, monsieur. Il y a quoi? Je voulais le croquis. Le croquis. Oui, monsieur. Attendez d'abord, hein. Je guette s'il si y en a encore. C'est là-bas. Madame, oui. Je m'excuse, hein. Uh-huh. Le courrier est fini. Je peux trouver ça où? Je vais appeler mon petit frère. Uh-huh. Oui, parce que mon stock est fini. Tu peux revenir avec. Et pourquoi vous toussez là? Monsieur, j'ai la toux depuis 3 jours aujourd'hui là. Depuis 3 jours? Oui, une toux sèche. Une toux sèche? Oui. Bon, attends, je vais l'appeler. Oui, pour qu'il vienne avec. Tu as compris, non? Reste là. Ne bougez pas, tu as compris? Oui, attends-moi. Et de mal au chloroquine. Ça, ce sont les symptômes que le ministère de la Santé ne cesse de nous envoyer là. Attends, ça c'est l'affaire là. Le service corona là, c'est quoi hein? Attendez, j'appelle. Ça, c'est ça. Allô? Bonjour monsieur. Oui, je suis là, l'entrée complexe là. Ouais, venant de Yaoundé. Venez rapidement parce que je vends les médicaments là. Il y a une femme qui vient me demander le chloroquine là. Elle tousse très mal. Et je crois que c'est le corona là. Parce qu'on ne peut même on ne peut même pas discuter dessus. Donc dépêchez-vous, s'il vous plaît. Si vous tardez, elle va rentrer, elle va partir. Et je ne peux pas la retenir là, s'il vous plaît. Venez rapidement. Ok, monsieur. Oui, j'ai dit à l'entrée complexe. C'est moi qui vends les médicaments là en face là. Oui, venez rapidement. Oui, merci, je vous attends. Ok. Ça, c'est ça. Depuis 3 semaines, depuis son arrivée, tout
la maison ne fait que tousser. Lui, il est couché là-bas dedans. Il ne parvient même plus à se lever. Ton cas est grave. Oui. Il est couché là-bas. Vous faites quoi à l'intérieur? Parce que nous étouffons à l'intérieur. Nous sommes sortis comme ça parce que ça ne va pas à l'intérieur. On étouffe. Madame, calmez-vous un peu, madame. Dites-nous, votre frère fait comment pour se retrouver ici? Chef, il nous a dit qu'il est passé par le désert. Il est passé par où, madame? Par le désert. Par le désert. Ça devait nous surprendre parce qu'on sait quand même, hein, chef, oui, oui. Avec toute la sécurité que nous mettons dans nos aéroports. Dans nos aéroports. Chef. C'est comme ça. C'est ça. C'est ça. Il vivait où? En Europe. Ah! Madame. Madame. Votre frère est rentré de l'Europe avec une maladie très grave. Est-ce que vous êtes au courant de ce qui se passe à l'heure actuelle? Non. Non, non. Docteur, il n'y a pas. À l'heure actuelle, il y a une mauvaise maladie qui s'appelle coronavirus. C'est-à-dire, ça tue les gens en désordre en, là-bas en Europe. Oui, partout dans le monde même, c'est pas seulement en Europe. Oui, donc votre frère certainement a fui l'Europe pour venir se cacher ici, avec cette maladie, et c'est lui qui vous a contaminé. J'ai dit, votre frère, certainement, a été contaminé. Donc, vous êtes en train de souffrir du coronavirus. Qu'est-ce que le coronavirus, docteur? Très bonne question. Écoutez donc, madame. Le coronavirus est une maladie très, très, très dangereuse. Oui, c'est un mauvais virus. Ce virus vient généralement des animaux sauvages. Vous comprenez? Vous connaissez le pangolin? Non, ma viande préférée! Votre viande préférée? Le pangolin est un très très mauvais animal. Oui, l'expérience a montré que c'est surtout le pangolin qui propage ce virus-là. Oui. Donc faites très attention. Très attention. Et le coronavirus là se manifeste comment? Comment on saurait qu'on a le coronavirus? Comment savoir? Okay. Très bonne question. Ok. Sachez, madame, que le coronavirus se manifeste de plusieurs façons. Nous avons la toux sèche, la gorge qui démange, et bien sûr la fièvre. Je m'arrête là. Il peut en expliquer. Vous comprenez? Vous avez la toux sèche, n'est-ce pas? Votre gorge fait comment? Ça gratte? Ça démange. Ça démange, docteur. Ça démange. Ça démange. Quand vous toussez, c'est comment? Ah, sèche. Ah, votre gorge est sèche. J'ai tenu. Vous respirez à peine. C'est ça. Je suis toujours fatigué. Vous êtes fatigué, vous sentez. Ce sont les symptômes. Et quand vous avez déjà ces symptômes-là, il faut directement vous rendre à l'hôpital. Sans réfléchir. Et comment faire pour éviter cette maladie, docteur? Très bien. Comment faire pour ne pas être contaminé, cette mettre contaminée? Oui, vous... Très bonne question, madame. Écoutez. Premièrement, il faut se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Vous comprenez? Ok. Vous devez prévoir un désinfectant, même à l'entrée de votre domicile, comme ça. Parce que chaque personne qui arrive chez vous, se désinfecte d'abord les mains avant d'entrer. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Vous allez éviter
les contacts avec les animaux. Est-ce que vous comprenez? Les contacts avec les animaux, là, il faut éviter. Et quand vous toussez, comme je vous regarde tousser depuis là, on tousse en pliant le coude. Dans le coude. Ça. Comme ça. Voilà, vous toussez comme ça, mademoiselle. Vous toussez dans le coude. On plie là, le coude de votre main et on tousse là-dedans. Est-ce que vous comprenez? Vous avez vu ce que j'ai là? C'est le cache-nez. Vous devez utiliser ça. Que tu sois infecté ou pas, vous devez utiliser. Pour ceux qui sont infectés, c'est pour éviter de propager le virus. Parce que quand vous toussez là, le virus se propage. Ça se... Voilà, vous comprenez? Et pour ceux qui ne sont pas encore infectés, c'est pour éviter donc que le virus se passe. C'est pas le contact de la bouche, le nez, que le virus passe. C'est pour se protéger. Est-ce que vous me comprenez? Très bien. Si vous partez dans des milieux où il y a des gens, comme dans des églises, je ne sais pas trop, où il y a un peu la population, marché et tout, il faut créer la distance d'un mètre avec votre proche. Est-ce que vous comprenez ce que j'explique? Surtout, cuis bien vos aliments avant de consommer. Donc, cuis vos aliments avant de consommer. Vous comprenez? Donc, bien préparer la viande, tout le reste là. Avant de consommer, avant de manger. D'accord. Et quand vous sentez déjà les symptômes, comme j'ai expliqué tout à l'heure, vous contactez soit un médecin, soit vous vous rendez directement dans un grand centre, dans les hôpitaux là. Est-ce que vous comprenez? Soit vous appelez le service d'urgence. Oui. Non, madame, pas surtout dans un centre de santé. Il ne s'agit pas d'un centre de santé. Vous vous rendez dans les grands hôpitaux de l'État. Hein? Comme par exemple l'hôpital central, l'hôpital Jameau, l'hôpital général. Voilà un peu les grands hôpitaux où vous pouvez vous rendre. Est-ce que vous comprenez? Oui, docteur. Mesdames, s'il vous plaît. Oui, docteur. Docteur. S'il te plaît, partage-le d'abord le cache-nez, de peur de contaminer d'autres personnes. Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus ici? Oui, docteur. Hein? Vos voisins. Vos voisins. Et nos voisins qui sont venus nous. Et la maladie avait déjà commencé. Et les voisins qui sont aussi là dans notre puissance. Quand on va tous aussi dans. Vous allez d'abord prendre le cache-nez. Parce que là. Mon frère Ben Kisso. Tenez. Merci, docteur. Madame, retournez, retournez. C'est pas le côté. Le côté, c'est docteur. Le verre. Voilà. Oh, merci, docteur. Voilà. Non, c'est pas comme ça. Voilà. Madame, retournez. Le côté vert. Enlevez, vous tournez, voilà. Ok. Ma tête. Cependant, je constate que beaucoup de personnes sont infectées ici. Oui, oui. Nous, on ne savait pas que ça devait être grave comme ça. Nous sommes venus pour un cas. On nous a appelé pour le cas de cette demoiselle. Donc, on ne savait pas que vous devez être aussi nombreux. Donc, ce que je dois faire. Vous restez pour la sécurité. Hein, chef? Oui, chef. Là, je rentre à l'hôpital. Je cherche l'ambulance avec mes collègues. D'accord. Donc, nous allons venir. Écoutez, madame, ce qu'on va faire, je vais rentrer à l'hôpital pour chercher une voiture d'ambulance. On va d'abord vous amener à l'hôpital. Et on va d'abord vous mettre un peu en quarantaine afin de voir un peu comment remédier à la situation. Ok. Bon. Madame, calmez-vous, doucement, il arrive, calmez-vous, madame, calmez-vous, il arrive. Madame, doucement, calmez-vous, il arrive. Madame, calmez-vous, il arrive.
N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.